Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce parole. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Je suis sorti, je viens d'arriver et je suis prêt à faire des vidéos pour vous. Pendant que j'étais en train de manger tranquillement, je suis tombé sur cette affaire. C'est quoi ça encore? Ha! La femme que vous voyez à l'écran là, c'est une fondatrice de chaîne de télévision. La chaîne de télévision qui s'appelle Iroko TV. C'est une femme qui a réussi, ça c'est clair. Mais elle est simple. Elle est tellement simple que les gens ont pris cela pour faire affaire, pour faire problème. Les gens, quand les gens la voient même dans la rue, ils lui disent, ah, toi tu es riche comme ça là. Pourquoi tu t'habilles pas avec les vêtements très chers? Pourquoi est-ce que tu t'habilles pas avec les choses très chères? On te voit t'habiller de façon simple, parfois même tu te maquilles pas, tu es comme ça. Ah, il y a quoi? Tellement ça a dépassé le niveau. Hein. Elle a fait une vidéo et elle a commencé à dire aux gens, et vous là, si vous n'avez rien à faire, si vous n'avez rien à dire, pardonnez, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Ça suffit. Et si vous venez sur ma page pour me raconter ce genre de choses, hein, je vais tous vous bloquer. Est-ce que vous avez des comptes? Elle est fâchée contre les gens qui critiquent son style vestimentaire. Elle est fâchée contre les gens qui disent que pourquoi elle est milliardaire. Et puis, elle s'habille simplement. Seigneur Jésus. Et c'est là. J'aimerais vraiment vous poser cette question-là directement. Dites-moi, mes frères et sœurs, si tout de suite, par un miracle de Dieu, bien entendu, vous rencontrez les milliards et Dieu vous rendait milliardaire, dites-moi, allez-vous changer votre manière de vous habiller ou pas? Il y a ça en commentaire. J'aimerais bien savoir. Parce que ça, là, ça m'intéresse. Moi, actuellement, mon plus grand souhait, c'est de rencontrer une femme vraiment très riche, mais qui ne se maquille pas, qui est simple, qui ne porte pas de hauts talons, qui est vraiment prête à décoller à tout moment. Dès que je dis chérie, on sort, on va faire le business. En même temps, elle est déjà prête en 5 minutes. Ça, là, c'est ce que je recherche. On dit, il faut attendre qu'une femme va avoir l'argent, tu vas voir vraiment qui elle est. Mais moi, j'aimerais rencontrer une fille ou bien une femme qui, bien qu'elle ait eu beaucoup d'argent, bien qu'elle ait tout ça, elle vit sa vie simplement et elle est humble. Ça, là, c'est ce que je recherche. Vous voyez, ça va étonner plus d'un ici. Ça va étonner plus d'un. Moi, j'ai dit, ah, bien souvent, pourquoi? Tu veux pas la fille sexy. Tu veux pas la fille qui se maquille. Il faut que je sois honnête avec vous. Je ne suis pas ici pour vous mentir. Il y a des gens qui mentent déjà. Je ne peux pas venir ajouter, je ne peux pas venir compléter les effectifs. Ils sont déjà nombreux. Mais je vous dis la vérité. Moi, je n'aime pas vraiment les choses artificielles. Tout ce qui est artificiel, je n'aime pas. Tout ce qui est a un lien avec les produits chimiques, je n'aime pas. Donc les choses sont déjà claires. C'est pourquoi je me suis dit, ah, Sarah, si tu vas pour une fille qui est galère et que tu dis tu vas la mettre dans le foyer, que le jour où elle va avoir l'argent, elle va commencer à faire les choses que toi tu ne veux pas. Donc je préfère déjà viser. Les filles et les femmes qui sont déjà riches, qui ont connu la richesse et tout ça, mais qui sont simples, qui s'habillent simplement, qui n'ont plus rien à prouver. Et puis, j'ai remarqué que la plupart des gens riches, là, je dis bien la plupart des gens riches, eux, ils n'ont plus rien à prouver et ils s'habillent souvent simplement. Sauf les stars, genre les stars, les célébrités que vous voyez sur les réseaux sociaux et autres. En général, quand ces gens-là vont dans les Grammy Awards, ils doivent bien s'habiller parce que c'est un jour spécial pour eux. Mais
En général, ceux que j'ai connus, les gens vraiment les plus riches, ceux qu'on appelle les plus riches, qui sont partout dans les histoires des stars, mais ce sont les gens riches. J'ai remarqué que la plupart de ces gens-là vivent une vie simplement. Ils vivent une vie simple. Tu vas le voir, mais tu ne vas pas savoir même que le gars est riche. Et cette affaire me rappelle ce qu'un jour j'ai vécu. Un jour, hein, une femme est venue voir ma maman. Et les deux ont échangé. Ce jour-là, cette femme a dit, bon, je vais tout faire pour que tu viennes connaître chez moi. Maintenant, comme j'étais beaucoup collé à ma mère, moi, ce jour-là, je suis sorti avec elle. Nous sommes sortis et nous sommes allés vous. C'est-à-dire, moi, je l'ai accompagnée, quoi, mais sans savoir où elle allait. L'accompagnateur général. Et voici que j'arrive dans un endroit vraiment classe. Je vois des grandes maisons. Là, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, ça, c'est un grand quartier. Et bon, j'étais impressionné. J'ai dit, dès qu'on arrive à l'endroit là, quelqu'un vient ouvrir le portail. En autre, je vois la femme qui t'a habillé simplement à la maison chez nous. Celle qui t'a habillé en pagne là. Je la revois. J'ai dit, encore habillé simplement. Mais la maison où on allait là, c'était sa maison. Sa maison là ressemble à une tour. Une tour. C'est-à-dire, ce sont des gens de maison, mais tu te demandes où ça commence, où ça finit. Dans sa maison, il y a une grande salle de réunion. Sa douche. Ça fait, ça fait ma chambre, mon salon dehors, tout en même temps. Tiens! Tiens! Et elle est seule dans la maison. Hein. Sa fille a voyagé, elle allait en Europe. Et elle est seule. Elle voulait qu'on l'aide un peu à parler à sa fille pour que sa fille d'Europe, pour que sa fille d'Europe vienne la voir. Parce que sa vie nous manque un peu. Eh, hey, Seigneur, c'est là, j'ai vu que le problème des riches, ce n'est pas le problème des noirs. Hein? En fait, des problèmes des pauvres. Hein? Le problème des riches, ce n'est pas le problème des pauvres. Hein? J'ai été choqué. Mais quand vous la voyez, d'apparence, vous n'allez jamais savoir qu'elle vit dans cette maison. Elle est très simple. Elle s'habille simplement. En tout cas, moi, ça m'a marqué, hein? Ça m'a vraiment marqué ce jour-là et je me suis dit que peu importe la richesse que Dieu va me donner, je vous assure que je serai simple. Très simple. Simple. Non, oui, je serai vraiment très simple. Je ferai tout. Même vous voyez, vous pouvez regarder mes vidéos. Je n'ai rien pour attirer le regard des gens. Je ne sens pas bon. Je ne sais même pas quels sont les parfums qui sentent bon. Je me débrouille, oh, je me débrouille. C'est vous seul qui êtes mes soutiens. Quand vous laissez des j'aime, ça veut dire que vous me soutenez. C'est extraordinaire ce que vous faites. Merci beaucoup, les frères, sur le passage. Merci. Et j'aimerais vraiment être très simple. La femme était très simple. Ça, c'est une chose qui marque. Ça marque l'esprit. Et quand je découvre ça et que je recolle à ce que cette femme l'a vu, vraiment, je me dis que ce monde-là, c'est pas vraiment notre monde. Vous, quand Dieu va vous rendre vraiment très riche, ce qui va se passer, c'est que vous serez différent des autres. Vous-même, quand vous allez avoir toutes les richesses là, vous allez dire que bon, c'est comme d'habitude. Vous ne verrez pas une différence entre le fait que vous êtes devenu très riche et le fait que vous n'étiez pas riche avant. Pour vous, ce sera comme le jour et la nuit. Savez-vous que la nuit, c'est un luxe? Et que le jour aussi, c'est un luxe. Le fait de voir la nuit, le fait de voir le jour, vraiment, c'est extraordinaire. Ça n'a pas de prix. Et Dieu nous donne ça gratuitement. Est-ce qu'il se plaint? Est-ce qu'il a besoin de faroter pour nous montrer que c'est lui qui est Dieu? Dieu lui-même qui est riche là. Il ne parlait pas. Depuis lorsque vous avez entendu là, une grande voix dans le ciel? J'ai une voix qui dit, hé, vous là, vous les salauds là, je suis votre Dieu, adorez-moi.
Adorez-moi ici, adorez-moi, regardez-moi quand même. Est-ce que vous avez dit cette voix-là? Jamais! Mes frères et sœurs, vraiment, c'est pourquoi je vous dis, Dieu est naturel, soyez naturel. Dieu est simple, soyez simple. Je n'ai vraiment pas du tout aimé ce que les gens font à cette femme. Je n'ai vraiment pas du tout aimé. Quelqu'un m'a dit, hey, tu prends sa défense, pourquoi? Parce qu'elle est milliardaire. Non, honnête, il faut que je sois honnête. Dans la vie, là, l'argent ne conduit pas au ciel. L'argent ne peut pas acheter ton ticket pour le paradis. Il faut dire la vérité, c'est mieux. Moi, je vous dis, je n'ai pas aimé. La fille a dit, restez simple. Laissez-la simple. Regardez la première photo qu'elle a là-bas. Regardez comment elle est triste. Elle est triste parce que les gens, tout le temps, quand ils la voient, ils la harcèlent avec ça. Toi, là, tu es milliardaire. Toi, là, tu es riche. Habille-toi comme les gens de ta classe. Il y a quoi? Vraiment, moi, personne à loin me dit ça ici. Moi, non. Eh, hey, Seigneur, faisons un test. Seigneur, pardon, les gars, fais le test. Moi, je vais me milliarder tout de suite. En tout cas, je prie, hein, que Dieu permette que je sois toujours humble. Parce qu'on dit que l'homme change. On ne sait jamais aussi. Donc, mes frères et sœurs, je compte sur vous, s'il vous plaît, pour moi. Priez pour moi. Mais dites-moi, mes frères et sœurs, et vous, que se passe-t-il à votre niveau? Vraiment, c'est grave. Vraiment, c'est triste. Je pense que nous allons écouter ce qu'elle va dire. OK? Si vous comprenez anglais, vous allez bien comprendre. Et j'essaierai de faire la traduction aussi pour vous. C'est parti. I just want to say this for the last time. If you meet me for a road and you don't know what to say beyond Mary, if I come this week now, Mary, as a CEO of Rock, you don't have to be looking local. Mary, you're looking like this. I beg. If you don't get anything to tell me beyond those things, shut up. Qui a compris ça? Qui a compris? Qui a compris? Avez-vous compris ce qu'elle a dit? Elle a parlé en anglais, c'est pas en français. Bon, je vais dire cela de façon simple. Elle dit que, elle dit à ses gens, à ses fans, à ses proches, vous là. Je vais vous le dire pour la dernière fois. Si vous me rencontrez en chemin et que vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Parce que je ne veux pas entendre les choses du genre, Mary, ah, pourquoi tu ne t'habilles pas comme les gens de ta classe? Pourquoi tu es comme ceci? Il faut t'habiller, il faut bien t'habiller, il faut bien faire ceci, il faut bien faire cela. No greet me. I no go see you, you no go see me. People wey know me know say if I wear my face mask, in fact, I dey run. No greet me, leave me. Elle dit, laissez-moi tranquille. Ne faites pas de commérage sur vous. Ne faites pas de commérage sur moi. Laissez-moi tranquille. Wait, Mary this, Mary dress like this, Mary dress like this. Now your body. Elle dit, mais ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais habille-toi comme ceci. Mais habille-toi comme cela. Mais il y a quoi? Est-ce que c'est votre corps? Body. Est-ce que c'est votre corps? Oh, you role model. No, I no do again. I no be your role model. No, use me do role model. I get children where they use me do role model. Use your mama, your sister do role model. Leave me. Ouh. Elle dit que même ses fans, c'était ses fans qu'elle rencontre au chemin, lui dit cela. Ah, faut t'habiller bien, tu es notre modèle. Tu es notre modèle. Elle dit, ah, moi, ne me voyez plus, ne me voyez plus comme votre modèle. Voyez vos parents, vos pères, votre maman comme votre modèle, pas moi. Laissez-moi. Laissez-moi vivre la vie, ma vie comme je l'entends, comme j'ai envie de la vivre. People are so focused on looking like a boss these days than actually focusing on being a boss, doing the job. And people are like, leading this new generation astray. Waiting. Upon anything I don't achieve, oh Mary, your mates are dressing, your mates are not get mate. My name is Mary Njoku, and they no born me born anybody. I did my lane. And I focus for my lane.
If anybody again, I don't care if you're following me, you meet me for road, you start talking about, I should dress like this, I should dress like, be sure that that day, you are dressed like Angelina Jolie, because God will go punish you that day if you are looking very trashy. I go finish you. Et elle a parlé, elle dit les gens même qui la les gens même qui disent la suivre, être ses fans. Si elle rencontre l'un de ces gens-là qui parle comme ça d'elle, qui critique son style vestimentaire ou la manière dont elle est habillée simplement, la bagarre peut décrocher là. Amina, I beg. Je vous en prie. Limina. If you won't follow people where they slay, leave my page. No, my page not be for slaying. It's not. Si vous n'avez pas besoin de suivre les gens, pardonnez, quittez ma page. C'est pas forcé. For slaying. It's not. I have a life. And I'm enjoying it. And a thousand of you guys will not make me do what I don't want to do or don't feel like doing. I'm not here to dress. I'm not a mannequin to dress for you. So, elle dit, je ne sais pas votre mannequin pour m'habiller pour vous. So that you see, you buy the clothes. I'm not a mannequin, leave me. Je ne suis pas une mannequin. Laisse-moi. I get better. The person they think of how to take over the world. Some people they think of, oh, which clothes you style yourself, wear this clothes. Abemona, leave me. Leave me. Eh, Seigneur. Elle dit, les gens qui tu t'aimes, ce style vestimentaire. Et tout ça, elle dit vraiment, laisse-moi en paix, laisse-moi tranquille, laisse-moi. Laisse-moi et laisse-moi. Vraiment, mes frères et sœurs, voici la réalité de la vie. Les gens pensent que quand tu es une star, il faut forcément t'habiller comme une reine. Elle est simple. Elle est simple dans le sang, dans la peau. Elle n'y peut rien. Mais elle est fatiguée des critiques, elle est fatiguée des gens qui l'arrêtent sur le chemin en lui disant « Ah, toi, il faut t'habiller comme une milliardaire, comme les gens de ton rang. » Elle dit qu'elle est fatiguée. Elle dit « Laissez-moi en paix, je ne suis pas votre mannequin. Je ne suis pas votre mannequin pour m'habiller pour vous. Eh, Seigneur !» Vraiment, salutations à toi, ma chérie, tu es jolie. Moi, j'aime les femmes naturelles. Hein. Tout ça m'arrange. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'est parti. Restez tel que vous êtes, mes frères et sœurs. Ne regardez personne, ni comment les gens vivent pour vivre. Non. Soyez simple dans votre vie. Quittez le mensonge. N'allez pas louer le vêtement de quelqu'un et puis venir faire croire aux gens que ça vous appartient. Non. Même elle est milliardaire. Elle peut faire vivre simplement. Je prie que Dieu nous rende tous riches ici. Ce jour-là, vous allez voir que vraiment, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dans Pharo. Il n'y a rien dans Yeye. Faites attention à vous.